tous mes rêves et tous mes projets, je les place entre tes divines mains. Oh mon cœur, Seigneur, je t'offre mon cœur, oh, ma vie, comme un sacrifice vivant. Au prix fort de ton sang, alors je viens me livrer, tel un sacrifice vivant. Ma vie n'est plus à moi, elle t'appartient, Seigneur. Père, je me livre. Oh, oh, ma vie n'est plus à moi. Je me livre, je me livre, je me livre.
Alors Seigneur, alors que le mal est en train de gagner du terrain sur cette vie, dans ce monde complètement perdu, nous voulons plus de toi dans nos vies, Seigneur. Ton amour, plus de ta puissance, plus de ta présence, plus de ta bienveillance. Ô Père éternel, rends-nous davantage semblables à toi, éternel notre Dieu. Tu veux nous changer. Pour son évangélique, amis, frères dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il est bon pour nous capables là. Sur le plateau Cassivi, pour nous présenter l'émission Parola 100% évangélique, nous excusons auprès de nous-mêmes pour le retard que nous gagnons par rapport à ce que nous avons toujours quelques petits problèmes techniques, ça arrive des fois, mais nous excusons auprès de nous-mêmes et nous disons merci spécialement à la technicienne qui est là, qui a assuré que tout le bagage est OK pour nous capables de présenter l'émission Sabaroumane. Nous comptons parce que déjà à la caillou, on prépare ou attend nous impatiemment parce que nous connaissons plein de monde qui attend l'émission. Hein. Et nous comptons parce que nous voyons qu'ils sont intéressés avec parole là. Et ça encourage nous pour nous capables de faire plus d'efforts et rester dans le pied bon Dieu pour nous capables toujours, pour Dieu capable toujours utiliser nous, pour nous capables de présenter une telle parole barou à chaque moment. Nous bénissons et nous connaissons coutume, comme nous souvent dit, c'est la Bible d'abord, et puis un canet, un stylo, et puis feu pour souligner, pour noter textio, pour nous capables vraiment examiner ensemble. Nous pas gagnons plus le temps, nous pas prenons plus le temps aussi, nous entrer dans la prière tout de suite, et puis pour nous capables rentrer dans le sujet que nous avons traité pendant dimanche qui passé, pour nous capables vraiment apprendre la parole ensemble, pour nous capables de mettre nos sujets en terrain d'entente qui vraiment dans la volonté Seigneur sur le fondement apôtre là. Alors nous avons prié ensemble, nous invitons même qui la caillou capable prier avec nous parce que Benjamin connaît qui ça le Seigneur capable faire dans moment ça qui nous parle discuter à Dieu qui a ouvert les yeux, il a fait comprendre un bagage différemment que gens te comprennent avant, mais l'essentiel c'est que nous inviter surtout à vraiment aider nous et à permettre que toute bagaille faite selon volonté. Et dès que toute bagaille faite selon volonté, c'est ça qui nous besoin, c'est ça qui nous a cherché et nous besoin ça. Voilà pourquoi nous besoin présenter devant pour nous faire un tel travail. Nous invitons pour capable vraiment invoquer le nom de Jésus-Christ avec nous dans la prière. Seigneur, nous bénissons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, parce que c'est vous-même qui fait toutes choses, c'est vous-même qui dirigez nous, c'est vous-même qui mène nous, c'est vous-même qui montrez nous comment pour nous vivre. Nous donnons merci, Seigneur, parce que nous vivons. Merci parce que nous avons une opportunité pour nous capables de parler de parole. Merci pour les téléspectateurs, les téléspectatrices. Merci pour chaque monde qui permet, Seigneur, qui prend chaise, les chita devant la télévision ça, pour garder l'émission ça, et qui prend Biblio pour examiner ensemble avec nous. Nous avons besoin pour vous bénir abondamment. Et nous avons besoin pour l'autre qui pas accepte de garder, ou bien pour l'autre qui ferme la télévision, qui fâche, qui tue, qui vire. Nous avons besoin pour souple. On va premièrement ouvrir les yeux, faire grâce. Pour être capable de comprendre et pour être capable de chita et analyser parole. Et avec ça, Seigneur, pour que ça qui est écrit, c'est ça qui nous dit exactement. Père, nous bénissons, nous disons merci. Merci pour les techniciens, nous merci pour les frères. Nous sommes nous, Seigneur, qui marchons dans la foi ensemble avec nous pour nous avancer vers nous-mêmes, Père. Nous avons besoin de prier béni. Et puis, mettre que le moment qui nous va passer va bénir, que parole va venir, non va révéler, non va publier, non va. Pompager partout, Seigneur, pour tout le monde connaît. C'est vous-même qui êtes le Dieu véritable et pas gagnant l'autre encore. Et c'est ça que nous croyons, Seigneur. Nous remercions et nous adorons dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen et amen. Amen. Et nous faisons vite. Nous contents pour nous là, dans la place ça. Et nous comptons pour nous retrouver encore à nouveau, pour nous capables partager ce sujet ça, pour nous capables détailler parole ensemble, parce que c'est un bagage qui nous besoin faire en pile, comprendre la parole, détailler la parole, expliquer la parole, parce que en pile monde dit yon manière, en pile monde dit yon bagage, mais c'est qui ça qui est vrai, c'est qui ça la Bible dit même. C'est en pile monde qui dit, mais comment trouver le vrai? Comment trouver le vrai? Alors, trouver le vrai, c'est la parole. Le vrai, c'est la parole. Hmm? Vraie parole là, c'est ça qui est écrit. Là. Comment suivre le bon? Suivre le bon, c'est suivre Christ. C'est Christ qui est le bon. Hein? Comment suivre le berger?
Suivre le berger, c'est suivre Christ. Parce que c'est Christ le berger. Alors, si nous besoin de marcher avec Christ dans la parole de la vérité pour examiner la parole, nous besoin de conseil, bagay, non, pour connaître ça. Bon, allez. Ça, et puis, rester sous genou. Quand la Bible est là, rester sous genou, et puis, lire pour examiner, pour comprendre. Parce que personne ne peut dire pour venir suivre un tel ou un tel. Ou venir suivre Christ. Et c'est Christ qui mourit pour vous. Et c'est ça que vous devez faire. Vous devez faire Christ mourir pour vous, pour venir chercher Christ, pour marcher avec Christ. Parce que le message n'a pas ni deux, ni trois choses. C'est que Christ mourit. Li enterré, li ressuscité le troisième jour, hein, li mourit pour pécher nous, hein, li ressuscité le troisième jour après qu'il t'en séveli, eh bien, qu'on a là, li vivant. Et ce message là, ça. Et c'est dans le monde ça qui a besoin de quoi, dans le monde ça a besoin de baptiser pour capable sauver. Alors, nous avons très vite fait, côté nous t'ayez dernièrement, nous avons quelques questions que nous devons répondre, mais nous t'as souhaité finir d'abord avant de nous répondre à la question. Alors, question c'est surtout. Par rapport avec frère qui était le dimanche, non? Nous avons besoin de répondre avec Proverbe 8 là pour lui, correctement selon la parole de Dieu. Et ça fait nous demander par les compassions de Dieu pour être capable vraiment prendre Bible et puis chita examiner selon Jean qui nous parle répondre avec Proverbe 8 là pour lui. Et ainsi que Apocalypse 5, chapitre 5 là, lorsque nous te posons une question dimanche pour nous demander lui côté agneau atteillé. Li pat ka li Biblia pou li te wè kote anyo ateye et puis kouna pou li te explique mister la. Mais li te préféré aller dans Proverbe 8 avec moi pour montrer m gen deux que Jésus-Christ a été créé. Alors pourtant, chers téléspectateurs, la parole de Dieu est claire et très claire. Et on peut arriver à comprendre que sans connaissance, sans la révélation, li impossible pour arriver à comprendre sa crise dit l'elle parler qui salve les dit faut li sou pa pli si c'est temps doit attendre moun dit pour répéter après moun la difficile pour comprendre la Bible si c'est comme ça on veut comprendre la Bible ou fait erreur ou obligé vinn côté moun a pas prendre la parole pour connaître Christ parce que sou pou connaître Christ ou obligé chercher à connaître Christ et puis qu'on a la pour capable arriver sans parce qu'on pas sauver sou pas connaître qui est qui Jésus-Christ hein. Ou pas qu'à sauver sans ça. Alors, vous êtes obligé de déplacer qu'on est là pour chercher qu'on est Christ dans la parole côté que vous ne pouvez pas lire la Bible et puis vous faites, mais vous pouvez tomber expliquer discours, faire discours de vie passée ou bien dans un bel hôtel, vous de descendre. Maintenant, c'est une question de lire la Bible pour nous quitter les yeux, nous coller dans le texte, vigile après vigile pour nous analyser ensemble pour nous ne pas arriver à bon mentir dans la parole là. Parce que c'est le temps pour nous dire non avec les gens qui ont menti, les gens qui ont dit ça que vous pensez. Ce n'est pas tout à fait normal. Alors là, nous prenons pour nous capables d'arriver à déterminer ce que nous avons dit dimanche dernier. Alors, pas oublier que nous avons cherché le nom du Père. Et pendant que nous avons cherché le nom du Père, là, nous avons sorti de Matthieu 28, 19. Nous faisons pas coup de nous entrons dans Jean 14, je prends deux textes, mais nous entrons dans Jean 14 pour nous montrer que Jésus-Christ est le Père selon la Bible. Et nous avons surtout dit, si on a dit Jésus-Christ n'est pas le Père, demandez-le pour lire la Bible à plus parce qu'il manque à lire. L'immaculé. Alors, s'il t'a demandé comment Jésus peut-il être le Père et le Fils à la fois? Ah, comment Jésus peut-il être le Créateur de Marie en même temps le Fils de Marie? Il faut poser cette question aussi. C'est vrai, oui, Jésus n'est pas pour le petit en même temps. Ah, mais tout le pas Marie pas qu'a fait la brise pour le créer Marie. Comment elle fait créer Marie puisque Marie c'est maman? On va nier cela? Hein? Jésus n'est pas le Père. Mais d'accord, vous, il n'est pas le Père. Marie n'est pas la mère de Jésus-Christ. Est-ce que la Bible n'a pas dit que Jésus-Christ est le fils de Marie? Bien sûr que oui. Mais Jésus-Christ n'est-il pas le créateur de Marie? Bien sûr que oui. Alors comment comprendre la parole? C'est pas la parole pour nous comprendre. La parole, c'est quelqu'un qui a fait être explosé. Si pas prendre sang pour chiter avec l'Esprit de Dieu pour comprendre. Il faut avoir une révélation d'abord pour capable comprendre ce qui est écrit dans la Bible. Parce que c'est un bail qui est important, qui est très... Il y a deux aspects devant. Ou bien pour jeune, ou pas d'accord que Jésus qui est capable en même temps, ou pas quoi qu'il toute chose à la fois, ou pas quoi qu'il est capable en même temps, mais on croit que lui c'est petite Marie, mais en même temps que c'est lui créé Marie, ou quoi ça? Ou quoi, pas vrai? Mais ou pas quoi qu'il a le Père? Ou quoi qu'il a un lion? Ou pas quoi qu'il a le Père? Ou quoi qu'il a un lion et l'agneau, hein, à deux fois? Il dit c'est le lion de la tribu de Juda. Après ça, il dit il est l'agneau. Mais un lion ne peut pas être un agneau. Un agneau ne peut pas être un lion. Un lion est un lion. Un agneau est un agneau. Mais frère, c'est le mystère. Hein? C'est le mystère de la parole. C'est ça. Le goût de parole là qui m'a envie qu'on ait ça plus pour approcher au délit. Parce que c'est tellement beau. Lorsque
lorsque comme ça découvrir vérité ça sous lit pour reconnaître qui est-ce qu'elle est vrai, ou pas négocier ça avec moun. Hein? Ou pas négocier ça avec moun. Hein? Ou pas croire aussi que l'enfant était Jésus, mais aussi l'étoile qui conduisait les mages était aussi Jésus, parce qu'il dit il est l'étoile brillante du matin. Hein? L'étoile brillante du matin. Hein? La mener moun vin adorer parce que il est Dieu. Ou pas quoi ça et aussi. Alors c'est ce genre de bagages ça nous besoin chita pour analyser selon la parole pour nous capable comprendre yo, parce que la Bible claire, nous pas pral courir à côté nous apprêter dans la Bible pour nous faire ça que la Bible dit. Avant nous entrer dans proverbe là, avant nous entrer dans apocalypse là, m'a bat pour moi si m'te cap montrer nous comment papa reler d'abord après pour nous capable répondre avec question ça yo pour nous voir qui ça la Bible dit, Jean la Bible claire, Jean l'écrit pas gain au-delà de ça l'écrit, c'est sur quoi ou bien pas quoi. Voilà, nous tenons Jean 17. Là nous t'es parti, nous tenons Jean 17, ouvrez Bible avec Jean 17 avec m'a recommencer dans chapitre là, dans verset 1er pour nous capable bien comprendre et puis avec ça gagnons servante qui a toujours une explication par rapport à ce qu'il était questionné pour te dire mais les Jésus qui était sous quoi, il dit Père, je remets mon esprit entre tes mains, à qui est-ce qu'il t'a parlé? À qui est-ce qu'il t'a parlé? Ou a une réponse en même chapitre ça, sœur. Dans l'explication que nous prenons le bail, nous appelons ensemble. C'est là-dedans où nous avons une réponse là correctement. Nous appelons ensemble. Alors, s'il vous plaît, prends la Bible, ouvrez-le pour lire avec nous étape par étape. Vigile après vigile, et puis pour nous capables de comprendre ensemble sans aucun contradiction. Ok, on y va. Le verset 1er, Jean 17. Qui ça le dit? Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, il dit là, il s'adresse au Père. Il s'adresse au Père. L'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Le verset 3 qui est témoin de Jéhovah, excuse-moi, témoin de Jéhovah, est toujours coincé nous avec. Or, le verset 3 qui n'a pas même comprendre. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, Père. Toi, le seul vrai Dieu. Virgile, gardez dans le texte, ouais, virgile. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Point. N'a pas fait camper là, n'a pas continué, mais nous fait camper là. Si déjà nous savons bien que Jésus-Christ s'adresse au Père, comme quand il était sur la croix, disant: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Voilà. Alors, il s'adresse au Père. Et il dit, dans le verset 3, oh, la vie éternelle, Père, c'est qu'il te connaisse. Père, toi, le seul vrai Dieu. En réalité, tu es supposé qu'on point après le seul vrai Dieu à point. Mais qu'on virgule, ça veut dire phrase n'a pas terminé. Il dit que, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, là, dans l'autre bagaille qui drôle, c'est que texte a continué, il mettait yon et conjonction de corps, d'inaction, qui mettait Jésus-Christ et trois pères dans le même sac. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que comme le texte m'a dit que toi, le seul Dieu véritable, et, ça veut dire et, lui aussi, il est le seul Dieu véritable. Regardez bien le texte. Hein? Toi, tu es le seul Dieu véritable, et toi. Ça veut dire, on ne peut pas avoir deux dieux véritables. On ne peut avoir qu'un seul Dieu. Et c'est lui qui est le Dieu véritable. Alors ici, le texte nous a donné Jésus-Christ de Nazareth en tant que le seul vrai Dieu. Regardez dans le texte. Hein? Père, toi, le seul vrai Dieu. Jésus-Christ, le seul vrai Dieu. Peut-on avoir deux seuls vrais dieux? Non. On ne peut pas avoir deux seuls vrais dieux. Alors, c'est quoi la compréhension de la parole? C'est quoi la compréhension du texte? Parce que sur la croix, c'est la même chose. Il s'adresse au Père. Mais parlait-il à un autre Dieu? Hein?
Dieu peut-il honorer un autre Dieu qui est lui-même? Parce qu'il disait dans l'Ancien Testament, puisqu'il n'y a pas un autre plus grand que lui, il jure par lui-même. Parce qu'il n'y a pas un plus grand que lui. Ah, mais c'est de même, frère. Puisqu'il ne peut prier un autre, il ne peut glorifier un autre, il se glorifie lui-même, frère. Hein? Le seul Dieu, nous savons déjà, on n'a pas deux seuls vrais dieux. On peut avoir un seul vrai Dieu, parce que le seul vrai Dieu est au singulier, il ne peut pas être deux. Alors, nous savons que le seul vrai Dieu s'adresse au seul vrai Dieu, qui est lui-même. Vous pouvez comprendre, non? Si vous pouvez comprendre, pas de problème. On n'a pas avancé plus devant, on pourra le comprendre. Ok? On pourra le comprendre. Alors là, il s'adresse à lui-même qui est le seul vrai Dieu. Nous n'avons pas, nous ne sommes pas des gens polythéistes. Nous sommes des gens monothéistes. Nous avons un seul Dieu. C'est lui qui est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, hein, la vie, la vérité, le chemin, la porte, le cèpe, le pain de vie, hein, la lumière, hein, la parole, hein, Dieu véritable, le rocher, l'époux, le premier, le dernier, l'étoile brillante du matin, le lion de la tribu de Juda, hein, le serviteur, hein, le Fils de l'homme, hein, le maître. C'est lui qui est tout ça, hein? Hein? Le sauveur, le rédempteur, le roi, le juste, le saint, hein? Le Seigneur, Luc 2, 11. Aujourd'hui, dans la ville de David, il nous est né un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Hein? C'est pas un Seigneur, non? Le Seigneur, c'est le seul Seigneur. Alors, là, on peut comprendre. On a continué pour capable arriver à comprendre qu'il parlait. Que le Dieu véritable s'adresse au Dieu véritable, lui-même, en tant que Dieu véritable. On va continuer. Le verset 4. Regardez bien. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, il s'adresse. Hein? Il s'adresse au Dieu véritable. Hein? Il s'adresse au Dieu véritable, puisqu'il est tout. Hein? Il dit, l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Le verset 6, alors, gardez le verset 6 là bien. Gardez-le. C'est qu'on va comprendre qu'il t'a parlé à propre tête. Ok? Gardez le verset 6 là. Gardez-le bien. Et demandez. Et Jéhovah, pour vous garder ça aussi. Parce que vous avez besoin de garder ça. Témoin de Jéhovah, vous avez besoin de garder ça bien. Puis analyser. Oui, pas de le seul vrai. Bon, pourquoi qu'on seul vrai Dieu? Ah non, mais je connais le jour d'hier. Gardez bien, verset 6 là, c'est lui nous parle. Gardez le bien, les yeux bien, adapter la dent, respecter vigile, respecter toute parole. Et nous pas rien à cacher, nous pour nous dire vérité à Jean-Lia. Tandis qui ça le dit? Pas oublier que ça pas par la parler. Ok? J'ai fait connaître ton nom. Le nom de qui? Hein? Si vous besoin prendre le nom de qui, relis verset 5 là, parce qu'il dit, mettez dans toi, Père, glorifie-moi, je fais connaître, hein, le verset 6, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. À qui il a fait connaître le nom du Père? Aux hommes. Qui étaient ces hommes? Les apôtres, les disciples. Ils étaient à toi. Ils étaient à toi, qui? Les apôtres, les disciples. Tu me les as donnés, qui? Les apôtres, les disciples. Et ils ont gardé ta parole. Voilà pourquoi nous devons suivre les apôtres et les disciples. Parce qu'ils ont gardé la parole du Père. Et nous devons garder cette parole comme et ils l'ont gardée. Alors, ici là, puisque je sais déjà que cet homme-là qui parle, il parle de son Père. En disant qu'il a fait connaître le nom de son Père aux hommes que son Père lui a donné. Et maintenant, nous savons bien qui sont ces hommes. Ce que nous devons faire maintenant, c'est de trouver ces hommes pour savoir quel nom cet homme leur avait donné. Hein? Si Jésus-Christ te baille yon nom, nous besoin de qui nom yon te recevoir. Et dès que nous retrouvons non ça, nous connaissons lui qui, c'est non ça qui n'en papa. Et puis nous comprenons à qui est-ce qu'il t'a parlé. Est-ce qu'il t'a parlé avec yon, l'autre Dieu? Ou bien est-ce que
Est-ce qu'il s'adressait à lui-même? Est-ce qu'il glorifie lui-même? Est-ce qu'il donnait gloire à lui-même? Puisqu'il ne peut pas donner gloire à quelqu'un d'autre. N'oubliez pas le verset 6, Jean 17. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Gombaga qui me parle fort, ouais, maintenant. Où est verset 6, Jean 17 là? Ouvri Bibou dans Somme 22, verset 23. Ou après prophétie, ça te déjà baille. Que yo t'a vin publié non papa, non siècle ça n'a vive là. Gardez Somme 22 et puis n'a pas retourné encore. Gardez Somme 22 pour ouais. Somme 22, verset 23. Somme 22, 23. Je publierai ton nom parmi mes frères et je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Pablo, Somme 22 a écrit sous Jésus-Christ exactement. Si vous voulez qu'on découvre ça, on met Kembel, notez-le pour lire après. Somme 22 a écrit exactement sur Jésus-Christ. Ok? Alors, déjà, Somme 22, 23, il y a accompli ici, là, dans Jean 17, verset 6. Dans Jean 17, verset 26 aussi. Le verset 6, le verset 26. Le verset 26, dans Jean 17, il dit, « Je leur fais connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. » Elle dit, « Si vous ne connaissez pas le nom du Père, en étant baptisé, soi-disant au nom du Père, vous êtes à côté de la plaque. Pourquoi? Parce que ici, il dit, pourquoi? C'est afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Hein? Je vous fais connaître le nom du Père pour que l'amour que le Père m'a donné, l'amour le Père m'a aimé, hein? Le Père m'a aimé d'un amour et je veux que cet amour soit aussi en vous. Voilà pourquoi je vous fais connaître le nom du Père. C'est ce que le texte a dit, le verset 26 dans Jean 17. Alors maintenant là, ce que nous allons faire, regardez-moi côté, on est avec Pierre. On est avec Pierre, Paul, Jean, Jacques, hein, André, Philippe, Thomas. Pour moi, qui non, mais c'est ça où tu es jeune. Parce que m'oblige, je connais qui non. Je dis, mais si on a un nom, qu'on n'a pas un problème. Pour moi, je ne comprends pas parler. Parce que là, il a déjà dit, il fait connaître non papa. Qu'on a qui ça me dit, qu'on cherche pour moi côté non papa. Hein, qui est-ce qui non, il te baille. Parce qu'elle dit, il fait connaître non aux hommes que li bali au milieu monde non. Or nous connaissons moun ce sont les apôtres. Ah ben on parti côté apôtre chez les spectateurs. Nous va regarder pour nous. On va regarder pour nous qui non yote ba yo. Pas vrai? On allez, on y va. Hein? Et nous prenons dans acte 4, nous va regarder ça dans acte 4. On est capable de comprendre ça, acte 4. Acte 4 comme nous pas grand pile temps n'a fait n'a pas comment nous t'a fait un peu vite. Acte 4, acte chapitre 4. Regardez, on a commencé à partir du verset 1er dans acte 4 là, pour nous arriver au verset 12. Au verset 1er, il dit, « Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple hein, et les sadducéens. Mécontents de ce qu'il enseignait, hein, le peuple et annonçait en la personne de Jésus. » Ah, c'est quand même mon petit père qui va prendre Jésus-Christ. Il y aurait même Jésus-Christ, il n'y a pas baptisé dans non. Il y a refusé catégoriquement pour baptiser au nom de Jésus-Christ. Mais, il y a ce monde Christ, oui. Ah oui, il y a ce monde Christ. Il y a ce monde Christ. Mais non, Christ, ça, il n'y a pas voulu. Lorsqu'il dit qu'il n'y a baptisé au nom de Jésus-Christ, il n'y a pas baptisé au nom. Il reconnaît qu'il n'y a pas baptisé au nom de Jésus-Christ. Hein? Mais il n'y a pas voulu baptiser au nom de Jésus-Christ. Pourtant, il dit Jésus-Christ a ressuscité au dernier jour. Mes frères, vous êtes à côté de la plaque. Comment Jésus-Christ va le ressusciter puisque vous pas accepter en sévélie avec elle? Vous pas accepter? Comment vous pensez qu'il va ressusciter? Il pas qu'il va ressusciter. Alors là, il n'est pas content parce qu'il a parlé de la personne de Jésus-Christ, ce que nous sommes en train de faire. La résurrection des morts, qui sont leurs problèmes encore, monsieur, vous parlez, attendez. Eh bien, ça y a fait le verset 3, il mit les mains sur eux. Et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole coururent. Et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Elle dit, vous savez, l'autre la sortie pour le tuer, il mettait en prison parce que non, Jésus qui n'a pas bon en bas. Et bien, vous n'avez pas dans ce temps, l'autre même qui croit, qui a loué, non, bon Dieu, pendant ce temps, l'autre la sortie pour le tuer. La menace de coups de poudre, d'expédition, toutes sortes de choses. Parce que il y a des gens qui ont béni, des gens qui ont délivré, des gens qui ont déplacé qui était vieux système pour venir sauver, pour venir chercher Christ, pour venir apprendre qu'on est Christ, parce que c'est dans Christ tout mystère caché.
Selon Colossiens 2, le verset 2-3 là. Hein? Qu'on est là, l'autre monde même mauvais. Eh bien, qu'on est dans le verset 5, il dit, le verset 5 à 4, le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem. Hein? Tout scribien, toute l'assemblée. Hein? Le verset 6 avec Anne. Pas oublier Jésus qui tombait devant Anne. Hein? Le souverain sacrificateur. Hein? Caïphe, Jean, Alexandre. Hein? Et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Elle dit, là, nous avons tout gros paltoyo qui réunit dans une sorte de collège. Ils font une sorte de collège de grands prêtres, de grands paltoyos. Et puis, au plan, c'est type, il y a des gens devant eux. Et puis, on a pu interroger, ils m'allaient eux. On a imaginé qu'on a prêché l'évangile, la parole de la vérité, puis les gars viennent, ils viennent mettre au commentaire, qu'on se tire, ils viennent prendre dans la collette. Imaginez qu'on a mon avis, ils ouvrent la télévision comme ils ne peuvent pas l'été, ils ouvrent la lente, ils prennent dans la collette, ils traînent dans la collette. Si je ne sais pas cet esprit, qui sont-ils pas ces maps café? Qu'on a mon avis, ils vont les traîner là, ils vont dire, qui doit pour parler de Jésus-Christ? Qui doit? Quand on a une autorisation, ça? C'est comme on reste qui dit, on ne peut pas parler dans Jésus-Christ, il ne faut pas parler dans la CIA. Mande, est-ce que la CIA t'est mourue et est-ce que la CIA t'est ressuscité? Parce que m'a parlé de on est qui fait preuve de sa lié. Jésus-Christ mourit, il est ressuscité. C'est seulement lui-même qui fait. Alors, Jean-Pierre, Jean Campé, mais je ne sais pas qu'on est un monde qui hein? Mais sauf que prophétie après l'accompli, hein? Selon Matthieu 10, là, le verset 19-20, quand Jésus-Christ dit on vous amène au tribunal, hein? On vous battra de verge dans les synagogues, quand on vous amènera au tribunal, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'homme-même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. Voilà. Texte accompli dans le verset 8. Yannick, le verset 7, Dieu dit, ça dit, il fut placé au milieu d'eux, Pierre et Jean, et leur demandèrent, par quel pouvoir? Ou au nom de qui avez-vous fait cela, monsieur? Allez, réponds-moi, monsieur. Parce que nous osons nous parler dont Jésus qui est ressuscité. Dis-nous qui est-ce qui a le pouvoir pour nous faire ça. Alors, imagine si monsieur Capella, si vous parlez de cet esprit, commence à trembler devant lui et vous dit, ah, je ne peux pas parler de Nexa encore, pas de problème. Non, 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 c'est juste que là, c'est pas tant. Je ne peux pas nommer ça. Non, non, non. Et puis, il dit quoi? Mais non, écoutez, parole Jésus qui a accompli le verset 8. Alors, pour vous répondre avec monsieur Gopal Tosa, parce qu'il y a des questions qui sont posées sur le cet esprit, pour ne pas répondre. Alors là, le verset 8, pour accomplir Matthieu 10, le verset 19-20, hein? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Mais ça nous pas de l'étendre, ma fait nous tendre. Hein? Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est pas le nom, c'est pas les noms, non, écoutez bien, le nom. Alors, c'est ça, on a besoin de traîner la tête, oui, pourquoi on a baptisé un nom, ça, pour sauver. C'est pour qu'on connaisse ou loin. Ou loin. Alors, attendez bien, c'est pas le nom de qui? De Jésus-Christ de Nazareth. Pour qu'on compte le sorti, comme au Carif oublie et côté le sorti. Anne et Jésus était sorti. Mais c'est de Nazareth qui était sorti. C'est pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Pierre prend le piqué encore. Ou bien Saint-Esprit prend le piqué encore. Hein? Il prend le dit, oh, hein? Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez été crucifié. Et que Dieu. Mais ça nous parle de temps déjà. Hein? A ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est la parole. Hein? Lui en pleine santé. C'est lui qui fait. Pardon l'autre. C'est peut-être ça, Mremel. C'est celui qui mourit qui ressuscité. La CIA est mort pas ressuscité. Mohamed mort pas ressuscité. Hein? Charles Tazoui, celle mourit pas ressuscité après pile mentil baïo. William Miller mort, hein? Ellen White mort, yo pas levé après pile menti au bayo. Jésus-Christ de Nazareth qui est le vrai prophète et le dernier des prophètes, le premier des prophètes. Il est mort. Hein? Il est ressuscité. Hein? Mort pour nos péchés. Ressuscité pour nous donner la vie. Et maintenant c'est lui
qu'il a prêché maintenant, Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Tenez bien, oui. Le verset 11 maintenant, il dit, messieurs, c'est nous qui crucifiés. Gombagay encore, n'oubliez, messieurs. Ah, Anne, Gombagay qui oublié, Anne. Vous avez oublié quelque chose, monsieur. Souverain sacrificateur, soi-disant. Hein? Jésus, ce Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Ah, vous avez mis de côté Jésus-Christ. Vous pensez arriver sans lui. Mais où est-ce que vous comptez d'aller sans lui? Vous n'irez nulle part sans lui. Hein? Vous êtes en train de bâtir, mais Jésus-Christ n'est pas là. Vous perdez vos temps. Vous êtes en train de faire des baptêmes, mais le nom de Jésus-Christ n'est pas mentionné. Vous perdez vos temps. Colossiens 3, 17. Quoi que vous fassiez en parole, en œuvre, faites tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Au nom de qui nous devons faire tout? Au nom de Jésus-Christ. Alors, où est-ce que vous pensez aller? Hein? Baptême n'a pas fait dans le nom de Jésus-Christ? Mais pas bon. Son bagage qui est clair pour comprendre. Ou pas baptisé. Hein? Ou pas ça dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Somme 118 l'avait déjà dit, c'était la prophétie. La pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient est devenue la principale de langue. Hein? Et qui est devenue la principale de langue. Il continue pour le dire, monsieur yo. Le verset 12. Connaissez Anne, connaissez Caïphe, connaissez Alexandre, connaissez Jean. Il n'y a de salut en aucun autre. Les témoins de Jéhovah, il n'y a de salut en aucun autre. Aucun autre. Mettez ça dans tête tout. Il n'y en aura jamais de salut en aucun autre. Pourquoi? Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Qui n'a pas eu? Oh, il faut retourner. Regardez Jean 17 là encore, verset 6. Comparez verset 6, Jean 17 avec Acte 4, 12. Pourquoi c'est même parole? Parce que je me comparais tout avant, Somme 22, 23. Jean 17, 6. Jean 17, 26. Acte 4, 12. Regardez Jean 17, pourquoi? Hein? Jean 17, 6. Comparez avec Acte 4, 12 là. Ou après c'est la même chose. Hein? Dans Jean 17, 6, il dit, je fais connaître ton nom aux hommes. Hein? Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes. Hommes. Alors là, nom a publié. Jésus-Christ fait connaître nom, apôtre Pierre publié. Et c'est peut-être ça, dans Acte 2, 38, il dit, messieurs, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. Parce que si vous n'êtes pas baptisé au nom de Jésus-Christ, il n'y a pas de pardon péché. Il n'y a pas de cet esprit. Oh! Mais c'est extraordinaire, chers téléspectateurs. Hein? Il n'y a de salut en aucun autre. Alors, quel est le nom du Père maintenant, en conclusion? Hein? Qui n'a ciel? Yo, bah, non, mon blanc. Hein? Retournez dans Jean 17, là, s'il vous plaît. Retournez. Gardez encore. Et verset 5, Jean 17. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi. Et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Mais c'est quel nom? Acte 12. Non, publié, il a fait connaître nous. Hein. Le nom du Père, c'est qui? Qui n'a pas bail en bas planète là? Somme 22, 23. C'est un bagage qui est extraordinaire parce que là, nous, ouais, que nous, que y a bail pour mon Dieu. Ça fait même les. Alexandre, t'as en chance. Même les gens, t'as en chance. C'est pas Jean, frère, Jean, non, on m'a parlé là. Jean. Nous, on dit Jean. Ok? Même les Caïf, t'as en chance. Hein? Mais monsieur pas de chance, on compte pourquoi pas de chance? Parce que à 4 12 dit pas bon l'autre monde encore. Peut-être n'y était capable de Yahweh ou peut-être n'y était capable de El Shaddai, Adonai, Jéhovah. Même pas qu'on ait Jean Yahweh les encore. Mais texte a dit il n'y a de salut en aucun autre. Tout le monde était campé là.
ou mettre voler pompier pas gagne sali dans l'autre non ou vinn la caille moi mené Jéhovah ban moi pas gagne sali dans Jéhovah pas ca ban mené Jéhovah c'est Jésus qui pour mené ban moi oui ou pas ca mené on l'autre ban moi c'est Jésus qui pour mené hein c'est Jésus qui pour mené regardez ça pour ouais 1 Corinthiens 15 verset 1 à 7 m'te l'île déjà m'après l'île pour ouais pas gon l'autre message yo ca mené bon la caille ou sinon que ça hein et Jean 1 Corinthiens 15 regardez pour ouais 1 Corinthiens 15 verset 1 jusqu'à 8 1 Corinthiens 15, verset 1 à 8. Regardez. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Ah, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez couru en vain. Je vous ai enseigné, le verset 3, avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Selon les écritures, chers téléspectateurs. Même ça, je dois mener bon là. Après, vous avez dit là, vous avez dit Jéhovah, si vous n'avez pas dit Christ mourir pour pécher, pas recevoir. Parce que l'évangile était dit, vous recevrez un autre message. Alors, ici, là, il dit, selon les écritures, le verset 4, il est mort pour nos péchés selon les écritures. Les écritures, le verset 4, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour. Selon les Écritures, pour preuve qu'il a été vraiment ressuscité, et qu'il est apparu à Cephas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères, à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avortant. Ah, c'est manqué pas fait. Mais c'est manqué par recevoir ces révélations. Alors, qu'on a lâché téléspectateurs, regardez bien. Si le message là de base est sur Christ, est-ce qu'on a même l'autre nom bord? Et c'est normal, oui. Parce que vous comme polythéiste, vous avez Dieu le Père a pas adoré, Dieu le Fils a pas adoré, Dieu le Saint-Esprit a pas adoré. Mais nous, qui sommes sur le fondement des apôtres, nous avons un seul Dieu qui est tout à la fois. C'est lui derrière lequel nous courons. Nous n'avons pas un autre Dieu, nous ne sommes pas polythéistes. Nous adorons Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu véritable. Alors, vous le voyez que c'est lui qui est le Dieu véritable? Alors, 1 Jean 5. 1 Jean 5. 1 Jean 5. Vous voyez qui est-ce qui est Dieu véritable là, d'accord? Jean 17, verset 3, expliqué par 1 Jean 5. 1 Jean 5. 1 Jean 5, 19, 20. 1 Jean 5, 19, 20, expliqué, Jean 17, verset 3, très clair. Ok? Verset 20. Enfin, 19, verset 20, 21. Alors, verset 20, il dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Alors, il est clair, oui, pour ne pas dire qu'il n'a pas... T'es que ça, bien dit, le Fils de Dieu, parce qu'il est aussi le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu, il est le Fils de l'homme. Il est le serviteur. Hein? Il est le serviteur, il est le maître. Alors, c'est normal, le Fils de Dieu. C'est normal, mais vous allez comprendre maintenant. Hein? Le Fils de Dieu et qu'il nous... Hein, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Alors, c'est qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable? Le Fils de Dieu. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Regardez bien, où est le texte dans le monde? Où est le monde? Regardez le pouet. Hein? Témoin de Jéhovah, regardez le pouet bien. Prends Bibou, ouvrez la, regardez le pouet. Et puis apprenez à lire aussi. Hein? En son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alors, lorsque nous comprenons, il me dit qu'il s'adressait à lui, le Dieu véritable s'adressait au Dieu véritable. Il me dit que le Dieu véritable s'adressait au Dieu véritable, ça ne veut pas dire qu'il s'adressait à l'autre parce que ce n'est pas qu'il y a deux véritables. Son seul qui gagne. Il s'adresse à lui-même. Il ne peut prier un autre. Il peut prier que lui-même. Alors quand il dit, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu. Mais c'est normal, toi le seul vrai Dieu, c'est qui? Jésus qui voulait dire, la vie éternelle, c'est qu'il me connaisse. La vie éternelle, c'est qu'il me connaisse, moi, le seul vrai Dieu. C'est ça, il voulait dire. Mais apôtre Jean dit là, pour apôtre Jean, il faut qu'on ait lui, c'est le Fils de Dieu, et c'est Dieu véritable, et c'est lui que la vie éternelle là. Vous comprenez Jean 17, verset 3 maintenant? Ou mettre retourner là-dedans encore, oui? Parce que je voulais pour bien imbu de lui. Retourner là-dedans encore. Hein?
C'est vrai, d'où la vie éternelle, c'est qu'il te soit le seul vrai Dieu, celui qui est envoyé. Nous n'avons pas de Dieu véritable. Son seul. Ah mais c'est Jésus-Christ, Dieu véritable là. Jean faut comprendre lui. Jean faut comprendre lui, c'est le Fils. Et Jean faut comprendre, c'est lui que le Père. Le Dieu véritable, c'est le Père, le Créateur. Ok? Alors là, nous savons qui est le Père et comment il s'appelle. Voilà pourquoi dans Matthieu 28, 19, il dit, au nom du Père, on a écrit au singulier. Il n'y a pas prend X. Non, pas prend S. Parce qu'il n'y a pas les dons, seul monde qui est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le vivant, le premier-né d'entre les morts, le premier de la création, le premier-né des œuvres de Dieu. C'est normal. Il est tout. Il est tout. C'est pas qu'on croit ça, on pas d'accord avec, on pas qu'à sauver, non. Parce que polythéisme, parce qu'au fond, on a des dieux, trois dieux. Et ça, qu'on a prié, on a du mal à prier bien. Parce qu'on a qui soit prié. Oh, il faut prier au seul Dieu. On n'a pas qu'on dit, on dit Jésus-Christ pas Dieu, on a prié au Dieu Seigneur. Faut pas qu'à dire Seigneur, on a prié. Jésus-Christ est le Seigneur. Hein? Jésus-Christ est le Seigneur. Luc 2, 11. 1 Corinthiens 6, 8. Enfin, 1 Corinthiens 8, 6 plutôt. 1 Corinthiens 8, verset 6. C'est Jésus-Christ le Seigneur. Alors, là, puis, on dit Seigneur. Là, pas nous, on dit Seigneur. Faut pas qu'on dit Seigneur. Allez, Jésus, qu'on va parler. On va pas nous, on l'autre Dieu, là. Au polythéiste. Alors, ici, nous savons, comme nous t'es sorti dernièrement, dans la fonte télévision tout petit, nous sortis dans Matthieu 28, 19, pour nous chercher premièrement. Et on te dit Père, Fils, Saint-Esprit, nous t'avons cherché le nom du Père. D'abord, nous jeûnons le nom du Père. D'accord? Nous prouvons le nom du Père. Nous venons pour chercher le nom du Saint-Esprit et le nom du Fils après. Mais là, nous avons prêté sur le Père. N'a prêté sur le Père pour nous ouais est-ce que sont l'autre monde qui le Père là est-ce que c'est pas même Jésus-Christ qui joue rôle ça alors nous va le prolonger pour nous avancer pour nous comprendre la parole nous quitter alors notez texte supplé notez tout texte ouais boyo yo bien chaque yo vini c'est que yo adapté à ça que n'a dit ya notez yo maintenant là ça nous va le faire vite fait parce que c'est li dans même question frère te pour je dis moi dans même sujet on va lire avec proverbe 8 Frère là, t'es bon moyen. Nous te dit pas prendre là dans l'âme. Nous te tendons te dire parce qu'il pas de répondre à la question dans le texte que lit bon là. Propre lui-même, lit bon moyen, lit pas bien. Qu'on a nous prendre lit dans proverbe 8 pour nous comprendre ça la Bible dit et lui-même aussi pour le comprendre ça la Bible dit. Alors, on a le chercher le citateur dans proverbe 8. Proverbe chapitre 8 à partir de verset 22. Pour nous comprendre qui ça la parole de Dieu dit, quelle est la bonne compréhension de la parole pour nous capables sauver. Proverbe 8 à partir de verset 22, 23, 24 et arrivé au verset 31. N'a plus le net pour le capable qui nous va gagner à cacher. Et puis qu'on a pour nous détailler. Mais verset central, c'est verset 22, 23, 24. Parce qu'il y a trois thèmes dans verset ça que nous allons souligner. Déjà, on a déjà souligné trois thèmes ça. Premier thème, c'est que l'Éternel m'a créé, écrit ça. Écrit dans le canal là, l'Éternel m'a créé, le verset 22, écrit pour nous détailler pièce par pièce. Écrit dans le canal là, l'Éternel m'a créé, proverbe 8, 22. Deuxième bagarre, besoin écrit encore, le verset 23, j'ai été établi depuis l'éternité. Faut nous détailler tout ça selon la Bible. J'ai été établi depuis l'éternité. Écrit, c'est deuxième point. Troisième point, c'est « Je fus enfanté ». Je fus enfanté. Nous allons laisser détailler ça selon la Bible dans le texte là. Nous finissons noter. Pourquoi nous finissons noter? L'Éternel m'a créé. 1. J'ai été établi depuis l'éternité. 2. Je fus enfanté. 3. Ok, nous finissons écrit. Merci. Ok, ma pli à partir de verset 22 jusqu'à verset 31. Mais ça le dit. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'y avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre,
J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Point. Gardez le texte fort et puis nous allons expliquer la parole selon l'évangile. Et puis nous demandons frère pour le comprendre et chita comprendre. Gardez Bibois bien. Il y a parti dans chaque vigile pour nous montrer qui ça la Bible dit. La vérité était la vérité. Ok. Pour nous débuter, chers téléspectateurs, nous avons commencé avec l'Éternel m'a créé, le verset 22. Premier verset qu'il te baille là. Premier verset qu'il te lit. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. Comment comprendre que la parole dit, frère, enfin, c'est Salomon qui a parlé là, mais il comprend que c'est Jésus-Christ. C'est de Jésus-Christ qu'il a parlé. Amen. D'accord. C'est de Jésus-Christ qu'il a parlé. Mais comment comprendre ça? Est-ce que le fait qu'elle dit l'Éternel m'a créé, Jésus-Christ est une créature? Nous allons voir qui a créé Jésus-Christ vraiment. Ok. Ouvrez Bibou avec, chers téléspectateurs, dans Colossiens chapitre 1er. Colossiens 1er. Ouvrez la avec. N'appelez à partir de verset 14. Colossiens 1er à partir de verset 14. Et puis, Kembe verset 22, proverbe là, parce qu'il faut nous garder figu verset ensemble. Youn, ou garder ça pour voir tout lien que vous avez. Ok. Colossiens 1er verset 14 a continué. Tandis qui ça le dit? Verset 14, Colossiens 1er. En qui nous avons la rédemption, à savoir Jésus-Christ, la rémission des péchés, ça veut dire le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, ça veut dire bon Dieu, nous pas de cas, ouais, c'est Jésus-Christ qui est lié. Le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Regardez, me pèser sous premier-né de toute la création. Regardez verset 22, proverbe 8 là. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. La première de ses œuvres et le premier-né de toute la création, c'est synonyme. Première œuvre, premier-né. Premier bagage qui fait. Première œuvre, ça veut dire premier bagage qui fait. Qui premier bagage qui fait? Ah, mais Jésus-Christ, première œuvre. C'est ça que vous voulez dire, c'est comme ça que vous comprenez. Nous pouvons comprendre la parole maintenant. Hein? Regardez, oui. Le premier-né de toute la création, la première de ses œuvres. La première de ses œuvres. Ok? Bon, écoutez bien, nous pouvons comprendre. Regardez le verset 16. Gardez bien verset 16, il mettait accent. Car en lui ont été créés. En qui? En Jésus. Alors, mettez point, oui. Il faut lire bien, oui, parce que si vous ne lisez pas bien, vous ne pouvez pas comprendre bien. Donc, question de lire bien pour comprendre bien, avec lire mal pour comprendre mal. Alors, en lui, car en lui, en Jésus-Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Point. Regardez la dernière phrase pour les téléspectateurs. Regardez bien. Tout a été créé par. Par qui, chers téléspectateurs? Si nous sommes capables pour nous entendre nous sans sonner téléphone pour le moment, nous sommes contents de nous pour nous dire par qui. Et nous sommes dit par Jésus. Qui ça le dit? Tout a été créé par. Par qui? Par lui. Qui? Jésus. Et pour lui. Tout a été. Non. Attends. Gombagay qui drôle là. Gombster qui trop pour l'homme. Qui mystérieux. Mais Jésus-Christ dit que. Mais texte ça se dit là, le verset 15. Le premier-né de toute la création. Et le proverbe 22, 8, il dit l'Éternel m'a créé. Mais si l'Éternel l'a créé, comment peut-il être le créateur de toutes choses? Hein? Comment toute chose peut-être été créée par lui? Regardez, hein? Tout a été créé par lui. Hein? Si nous avons remplacé lui par Jésus dans la Bible, on a bien la Bible, si on te mettait le par Jésus, on a bien tout a été créé par Jésus-Christ. Mais attends, si c'est Jésus qui crée toutes choses, ça veut dire quoi, chers téléspectateurs? Comme définition, la définition de Dieu, Dieu est celui qui existe par lui-même. Qui définition parle pas encore? Dieu est le je suis. Hein? Dieu est, il est. Hein? Dieu est, entre parenthèses, il est. Dieu est, entre des virgules, je suis. Ou qu'on va définir plus? Tu parles d'il ou mais Dieu se dit l'éternel. Hein? L'éternel, ça veut dire que infini. Tenez bien, oui?
Tout a été créé par lui, par qui? Jésus-Christ. A dit Jésus-Christ? Enfin, si nous Jésus-Christ créé pour peut-être lui dire menti. Hein? Comprenez bien, oui? Pourquoi y a un mystère, y a tel mystère? Pourquoi Dieu agit de la sorte? Pourquoi? Nous devons comprendre pourquoi. On garde pour nous, ouais. Hein? Déjà, y a dit, toute chose dans le ciel, en bas, terre, pas tout créé en lui. Hein? C'est ça qui est visible, ça qui est invisible. Tout trône, toute dignité, toute domination, toute autorité, tout c'est lui-même qui crée. Mais c'est toutes les œuvres. Alors, on va le retirer. Comme on dit tout ça, on dit là, au pluriel. Par contre, qui sont prêts à le retirer là-dedans pour dire Jésus qui n'a pas créé? Eh bien, on est là, puisque Jésus-Christ est le créateur de toutes choses. Alors, nous sommes capables de comprendre maintenant le verset 17. Attendez, pourquoi il est le Père? On pourra comprendre pourquoi il est le Père, c'est-à-dire celui qui a créé toutes choses. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. En qui? En Jésus-Christ. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Hein? Il est le commencement. Le premier-né d'entre les morts. Le premier-né d'entre les morts. Pourquoi? Afin d'être en tout le premier. Attendez bien, oui? Écoutez bien, bon, je retourne encore pour capable comprendre. Jésus-Christ est la première œuvre. Il est la première œuvre. Hein? Jésus-Christ est la première œuvre de toute la création. Pas vrai? Parce qu'elle doit premier en toutes choses. On est d'accord. Moi-même, je suis d'accord. Mais le fait qu'elle est la première œuvre là, est-ce que c'est ça qui fait son créatif? Mais non! Comprenez bien, puisque c'est lui qui crée toute œuvre. Alors, comment le cas était créé par le monde? Puisque l'éternel, c'est lui l'éternel. Je ne vais pas le texte pour vous dire, l'éternel là. T'inquiète, pas inquiète. Hein? AMD, bon, parce que je m'en bats toujours. Mais pourquoi il est le Père? Il est le premier en toutes choses. Attendez, Jésus qui n'est pas le premier né d'entre les morts. C'est Abel qui t'a le premier né d'entre les morts. Abel, parce que c'est lui le premier mouru dans la création. Et puis, il dit lui, c'est le premier né de toute la création. Mais, attends, nous pas qu'à comprendre ça. C'est ça que nous pas qu'à comprendre qu'il est le Père. Il est aussi le Père. Mais pour qui raison? Le verset 18, Colossiens 1er. C'est afin d'être en tout le premier. Est-ce que vous comprenez? Afin d'être en tout le premier. Pourquoi? Car Dieu, le verset 19, a voulu que toute planétude habitât en lui. Alors, là, dit Dieu a voulu que toute planétude habite en lui. Mais après, sur l'autre monde, hein? Il veut que toute planétude habite en lui. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Attendez bien, oui? Proverbe 8, 22, il dit, Jésus-Christ est la première de toutes les œuvres de Dieu, de l'Éternel. Colossiens 1er, expliquez-nous, Jésus-Christ est le premier né de toute la création. Kounia yo dit nous, dans toute œuvre ça yo que Jésus-Christ premier, qui est-ce qui crée œuvre ça yo que Jésus-Christ fait partie, c'est Jésus-Christ en propre créé yo. C'est pas menti m'a bon, regardez Colossiens 1er verset 16. Tout a été créé par lui et pour lui. Alors soube je pour création ba yo l'autre monde. Eh bien, on met connaît ou pral gen compte à rendre au dernier jour pour capable comprendre. On pral lire un texte avant pour me faire comprendre un bagage qui plus clair pour aider à comprendre Jésus-Christ est le seul Dieu et seul créateur. Gardez Jérémie 10 avec moi. Jérémie 10. Pas quitter proverbe là, et nous pouvons finir le proverbe là, n'a pas retourner dans proverbe là. Gardez Jérémie 10 avec moi. Jérémie chapitre 10. Pour moun ki dou gon l'autre Dieu. Ce n'est pas Jésus qui Dieu, qui le Père, qui le Fils de l'homme, qui le serviteur, qui le maître, qui le berger, qui le Père, qui l'époux, qui le rocher, qui tout. S'il faut qu'on comprenne ça, nous pouvons le faire comprendre ça maintenant. Non, non, Jésus-Christ. C'est fort que non, Jésus-Christ prêche pour nous, pas bailler l'autre nom pour prêcher non, Jésus-Christ. Gardez dans Jérémie 10 avec le verset 10 à continuer. Jérémie 10, verset 10 à continuer. Gardez bien, téléspectateurs. Gardez bien. On allez, gardez pour vous. Mais ça le dit. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel.
La terre tremble devant sa colère. Et les nations ne supportent pas sa fureur. Alors, moun, dites-moi de Jéhovah pour moi, dis-yo, pour moi. Moun qui pas quoi dans Jésus-Christ, moun qui pas quoi que Jésus-Christ est Dieu, yo. Ou bien moun qui dit Jésus-Christ est Dieu, mais il parle le Père, dis-yo pour moi. Mais sa texte a dit le verset 11. Vous leur parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Dis-yo pour moi, s'il vous plaît. Yon Dieu pas créé ciel la terre, dis-yo pour moi que Dieu ça disparaît. Les gens qui me demandent, frère, dimanche dernier, est-ce que Jésus-Christ a disparu? Comme on dit Jésus-Christ, c'est Dieu par le Père, ni par le Créateur. Mais Jésus-Christ a disparu parce que c'est pas créé ciel la terre. Et soit d'accord que depuis dit Jésus-Christ, Dieu c'est le Père, ou dit le Père. Alors, on pas qu'à dire Dieu pour le Père, pas qu'un de Dieu. Voler pour Père, depuis dit Jésus, je dis Jésus-Christ, pas Dieu, ok. On condamne complètement, catégoriquement. Mais dit Jésus-Christ est Dieu, alors qui est-il? Le Créateur, point. Hein? Vous le parlez aussi. Dieu qui pas créé ciel, la terre, tout a disparu. Le verset 12 dit, il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. Qui? Dieu. L'Éternel, qui te gagne dans l'ancien temps, l'Éternel. Là. Kouna qui vient dans nous, nouveau nom, qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est non ça maintenant. C'est lui le Père. Jésus-Christ de Nazareth, notre Père. Et c'est lui qui a créé toutes choses. Et lorsqu'on nous dit, Jésus-Christ par Jean me dit, c'est le Père, dis-moi, il a besoin de lire la Bible plus toujours. Il faut qu'on lit la Bible, il a besoin de lire la Bible. Il a besoin de lire la Bible pour le comprendre. Ok, nous déjà montré, Proverbe 8, verset 22, nous montre que l'Éternel m'a créé, à savoir Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est Jésus-Christ qui a créé lui-même. Il est celui qui existe par lui-même. Selon Colossiens 1, le verset 16, tout a été créé par lui et pour lui. Et Jésus-Christ est le créateur de toutes choses. Il est le créateur de lui-même parce qu'il existe par lui-même. Ça, c'est le premier point que nous devons regarder. Deuxième point que nous pouvons regarder maintenant, c'est j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Alors, on a compris sous verset 23 maintenant pour nous expliquer. Selon la Bible. Ok. Comment y a un monde qui est établi dans l'éternité, cap gon lot qui pi grand passil? Est-ce que gon bagay qui plus gros que l'éternité? Parce que lorsqu'on dit l'éternité, on dit infini. Lorsqu'on dit l'éternité, c'est qu'on dit je suis. Lorsqu'on dit l'éternité, c'est qu'on dit il est. Lorsqu'on dit l'éternité, c'est qu'on dit Dieu le Tout-Puissant. Le Dieu véritable. Il a été établi depuis l'éternité. Alors si dans l'éternité, bon, qui pile que l'éternité, alors on a dit qui bon l'éternité, qui est-ce qui est plus grand que l'éternité? Qui est-ce qui est plus grand que l'éternité? Et puis il dit, dès le commencement. Alors, tu m'as surtout dit que Jésus-Christ est le commencement. Parce que là, il dit j'ai été établi dès le commencement. Voilà ça que fait Jésus-Christ, c'est une créature qui est lié. Mais nous parlons de c'est faux. Et si Jésus-Christ est une créature, c'est que Jéhovah, il y aurait les bails non Jéhovah, que il y a maintenant non Jéhovah, c'est que il était créé tout, parce qu'il dit même bagala, il était commencement tout. Nous allons voir ça pour la Bible claire dans ça qu'il a dit. Maintenant, pour nous expliquer le verset 23, nous pas qu'à oublier Jean 1er. Nous pas qu'à pas prendre Jean 1er. En allant dans Jean 1er, Kembe Proverbe 8, 23, n'a pas entré dans Jean 1er maintenant. Jean, chapitre 1er, pour nous capables de comprendre la Bible, étape par étape, virgule après virgule, selon que le Seigneur peut mettre que nous capables de parler de ça. Jean 1er, écoutez bien. Il dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Où est là, chers téléspectateurs, gon virgule? Si tu as un point là, automatiquement, ou t'as compris que gen Dieu, gen l'autre à côté. Mais, lorsqu'elle dit la parole était avec Dieu, yo met ton virgule et puis yo dit, et la parole était Dieu. Ou après dans la Bible, témoin de Jéhovah, yo mette yon petit deux minuscules parce que yo osé yo pas accepter Jésus-Christ en tant que Dieu. Et c'est ça qui fait tout, c'est temps qu'il a perdu. Parce que je ne vais pas écouter Jéhovah, tu dis, tu es de maison en maison. Et là, il vient la carrière, est-ce que Jéhovah te voit dans de maison en maison? Quand Jéhovah écrit, pour y aller de maison en maison. Quand Jéhovah te dit, pour y baptiser les gens.
Côté Jéhovah, te voyez. Alors, qu'on y a là, texte a dit, et la parole était Dieu. Et Dieu, ça, texte a dit, c'est pas petit Dieu, non, c'est grand Dieu véritable là. Al chercher dans l'origine, consulter toute version, yo, wapoué. Et puis après, consulter version, et moi, je vais wapoué, yo, là. Qui ça a fait là-dedans? Le verset 2 lui dit, elle était au commencement avec Dieu. Ça veut dire, Dieu était avec Dieu. Dieu était Dieu. Point. Elle dit, toutes choses ont été faites par elle. Par qui? Par la parole. Hein? C'est qui la parole? Apocalypse 19, le verset 13, ça le dit. Et il était revêtu d'un habit indécent. Et son nom est la parole de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Alors là, il dit nous, hein? Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jésus-Christ. En elle était la vie du monde. Oui, Jésus-Christ est la vie. Selon Jean 14, 6. Et la vie était la lumière du monde. Oui, Jésus-Christ est la lumière du monde. Jean 8, 12. C'est clair. La lumière lui dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Aïe, aïe, aïe. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Hein? Il y a un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Hein? Son nom était Jean. Il veut pour servir de témoignage, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Hein? Afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière. Ça veut dire Jean n'était pas la lumière, parce que pas un monde qui t'a pas donné Jean. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Alors, si nous avons un petit problème avec l'image là, faut-il patienter là, ok, tout à l'heure. Afin que tout ce qui se passe lui, il n'était pas la lumière, mais il parut pour un témoignage à la lumière. Gardez le verset 9, Jean 1er. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Alors, écoutez bien, oui. Ça veut dire Dieu, ça, qui crée toutes choses là, il vient dans le monde. Hein? Il vient dans le monde. Et puis il dit encore, il vient dans le monde. Le verset 10, il dit, elle était dans le monde. Hein? Le Créateur, hein? La lumière, hein? La parole. Et le monde a été fait par elle. Hein? Colossiens 1er 16. Jean 1er, le verset 10. Le monde fait par Jésus-Christ. Mais le monde pas reconnaître Jésus-Christ. Hein? Et le monde ne l'a pas connu. Alors, souvent, on remonte Jésus-Christ toujours. On va l'expliquer bien, c'est Jésus-Christ, le verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Alors, écoutez bien, on va faire une petite bonne, ils ne sont pas baptisés quand même. Lesquels sont nés? On va faire une petite bonne, mais à condition, il faut baptiser. Ou pas capable, on va parler des christianistes traditionnels qui disent qu'ils ne sont pas baptisés, tout, depuis qu'ils ne sont pas baptisés, ils mourent comme ça, tout périt. Tout périt. Et c'est la Bible qui dit, tout périt. Depuis qu'ils ne sont pas baptisés, ils périt. Lesquels sont nés? Alors, qu'on est là, nous arrivons à comprendre maintenant, elle dit dès le commencement. Parce que le verset 1er, puisqu'elle dit au commencement, alors, témoin, je vais dire ça, ouais, mais elle dit, mais elle dit que le commencement là, oui, ça veut dire que là, Jésus-Christ est créatif. Mais franchement, mandez-vous pour lire, puis bien toujours, pour qu'on lit bien du tout. Mandez-vous pour apprendre à lire. Nous allons nous montrer que Jésus-Christ, même parole, ça qui dit au commencement, c'est Dieu, nous allons nous montrer que l'éternel dit que témoin est au relais Jéhovah. Nous allons nous montrer, dit même dans l'ancienne terre, qu'on n'a pas capable de dire Jéhovah dit, comme c'est, et qu'on s'est au relais lui-même, comme nous, c'est Jésus qui nous connaît. Alors, nous allons regarder pour nous voir ça. Gardez avec moi. Dans Esaïe 43, nous parlons que Dieu, enfin, plutôt nous dit pour nous dans le langage, Jéhovah dit que l'il y a commencement. On a lu. Gardez, Esaïe 43. Gardez avec moi, Esaïe 43. À partir de verset 10. Et ces versets, ça y est toujours bon, les pour y que c'est Jéhovah te voye yo, yo c'est témoin de Jéhovah. Mais surtout, yo pas comprendre verset ça, yo pas kabo Isaïe 43 10 pour moutou que Jéhovah voye yo. Ah, Jéhovah pas connaît yo, de toute façon, qui est-ce qui Jéhovah en plus tout?
Hein? Si c'est l'éternel, il dit voilà, l'éternel pas connaît, parce que l'éternel pas voué monde de maison en maison. C'est Jésus-Christ qui voué monde de maison. Il parle de Jésus-Christ. Hein? Côté que j'étais connu dans le moment, prophétie ça te baille là pour te voyer. Hein? Puisque c'est Jésus-Christ qui vient qui a nous la vie. Côté que j'étais connu, il était connu pour te voyer. Qu'on a pour mettre Jésus-Christ de côté puis pour avancer. Mais non, on perd du temps. Alors, Ésaïe 43, le verset 10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez et que vous me croyiez. Regardez bien, oui. Et que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Alors, lorsque mon Dieu, si tout frère, il est capable de Jésus-Christ, c'est Dieu, Jéhovah et M, dont l'autre Dieu, encore Dieu le Père, faites attention, frère. Faites attention, regardez la Bible bien, lis bien pour elle là. Le verset 10, Ésaïe 43. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. Ça, c'est le futur. Il n'y en aura point. Soit dit dans l'autre Dieu, pas créateur, on mettez le nom placard, frère. Il n'est pas bon du tout. Et la disparaît selon Ésaïe 10, et Jérémie 10 là. Hein? Il dit, après moi, il n'y en aura point. C'est moi, le verset 11, Ésaïe 43, c'est moi, moi qui suis l'Éternel, et en moi, il n'y a point de sauveur. Or, nous savons Jésus-Christ est notre sauveur, et le seul sauveur. Mais vous n'avez, l'Éternel dit, pas l'autre sauveur. Hein? Si ce n'est pas l'Éternel qui vient, qui est-ce lié? C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit, ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis. Alors, maintenant, regardez, mettez accent là, ici, là. Verset 12, 13, Ésaïe 43. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement. T'as entré ça dans la tête là, bien, chers téléspectateurs. Pour ne pas oublier ça. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement. Écoutez bien. C'est moi qui suis Dieu, dit l'Éternel des armées. Je le suis dès le commencement. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement. Ésaïe 42, le verset 12, 13. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement. Jean 1, verset 1er. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est moi qui suis Dieu et je le suis dès le commencement selon Ésaïe 43, le verset 12, 13. Hein? Et nul ne délivre de ma main, j'agirai qui s'y opposera. Dernier verset, n'a pas gardé pour nous camper là et puis pour nous avoir place pour capabreler et puis pour nous continuer dimanche prochain si Dieu veut. N'a pas gardé Ésaïe 44 par rapport avec Genèse 1er 26 que yo bay. Genèse 1er 26 qui dit faisons l'homme parce que yo dou que Dieu te gagne un monde avec ça dit Jésus-Christ est avec. Oui, Jésus-Christ était avec sauf que Jésus-Christ ça c'est lui qui t'a Dieu, c'est lui même qui t'a dit faisons l'homme, c'est lui même qui t'a parlé. Parce que parole lui t'avait, c'est lui qui t'a parlé, c'est lui la parole, c'est lui tout. Et ça t'a dit faisons l'homme. Alors qu'on a nous pas laissé ouais. Genèse 1er 26 et Ésaïe 44, le verset 24, qui ça nous cap comprendre là-dedans? Ben, si nous parlons quoi, Jésus-Christ est le Dieu véritable, là, c'est le Père. Eh bien, vous périssez, vous rejetez l'humanité, vous rejetez tout, et puis vous périssez tout. Ésaïe 44, 24, mais ça le dit. Si Dieu t'est accompagné dans la création, on a pour elle là maintenant. Ainsi par l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance, moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Alors, toutes choses au pluriel, oui, s'il vous plaît. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. Alors, qu'on a la dîme qui est-ce qui t'avait? Qu'on a projeté Genèse 1er 26, ou pas même comprendre ni, pour dire qu'il t'accompagne. Mais lui-même l'a parlé. Moi, l'Éternel, il dit déployer la terre seul. Il crée toutes choses pour contre lui. Alors, qu'on a dîme qui est-ce qui t'avait? Qui est-ce qui t'appelle? Écris texte, achetez le s'il vous plaît, écris yo. Les témoins viennent là, car vous avez douqué. C'est pas si, c'est pas ça pour laguer texte à yo. Bah yo, vide texte sou yo. C'est yo examoui texte à yo. Je dis un pasteur qui dit, ouais, on peut cacher des versets. Je dis non, parce que si je ne peux pas cacher des versets, ça va mourir longtemps. C'est derrière pour camper. Parce que je ne peux pas parler dans la pensée, c'est la Bible pour le bon.
Alors qu'on a pour que l'Éternel dit, c'est moi-même qui fondais la terre seul. Seul, j'ai déployé les cieux, seul, j'ai étendu la terre. Alors là, pas dit, m'te gen moun bon côté. Sou pas comprendre la Bible, chita pour comprendre ni. Vin koto moun ki kaido, pas quitte orgueil comblo, pas quitte orgueil pleu pour être dans égarement. Mais vini, vin chita pour apprendre, vin chita pour nous apprendre ensemble, pour nous examiner ensemble. Bible nous, cahier nous pour noter pour texte, examiner ensemble. Vini. Mais pas les tap chercher ou pas comprendre, ou pas même quand on avait question à poser, mais on va discuter en bagage que on pas même connaît, que on pas même comprendre, que on pas même qu'à défendre parce qu'on pas qu'à défendre. Là on questionne ou pas qu'à donner. Alors dernier verset pour montrer que l'Éternel c'est lui Jésus-Christ pour finir. Dernier verset, c'est Zacharie 12 le verset 10. Zacharie 12 verset 10, dernier verset et puis après on est capable reler pour capable soit critiquer, poser suggestion ou qu'elle soit poser question, pas de problème. Et puis pour nous capable répondre dimanche prochain pour vous. Parce qu'il faut nous bailler à moins. Voilà, Zacharie 12, le verset 10. Regardez bien, oui. Texte, ça c'est le texte pour que Benamon fort avec tout l'autre texte, mais son texte, sous pas ta vle parler, sous pas comme trop bagaille pour montrer que l'Éternel, c'est Jésus-Christ, c'est au mettre que texte ça dans mon fort. Surtout moun ki pa trop konn li yo ou bien moun ki pa wè bien nan zye yo, et mais kembe texte ça nan mon fort. Le moun a dou l'Éternel gen 3 dieu, gen 4 dieu, ou a moutel que Jésus-Christ c'est lui même qui l'Éternel là. Gardez pour wè Zacharie 12 le verset 10. 9 10, gardez verset 9 10. Mais avant, gardez dans verset premier oui pour qui est-ce qu'a parlé pour moun pa dou son l'autre moun, pour comprendre que c'est l'Éternel même qu'a parlé là. Et ou besoin relire chapitre là pour qu'on tout la caillou après. Zacharie 12 le verset 9 10. Verset 9. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors, le verset 10, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Alors, gardez la rue, on fait une petite pause parce que c'est gros cause là. Est-ils tourneront leur regard vers moi? Celui qu'ils ont percé. Attendez bien, oui. C'est l'Éternel qui parle, oui. L'Éternel dit, je répandrai sur la maison de David, sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront leur regard vers moi, l'Éternel. Celui qu'ils ont percé, l'Éternel. Question à poser, est-ce que l'Éternel t'est percé? Jésus-Christ par l'Éternel, non, mais comment je vais dire le percé? Côté le dernier, le percé. Il n'y a pas dit le Père dans le ciel. Et surtout pour ce moi, ce Pierre, Pierre Richard. Gardez bien, oui. Gardez Bibou, gardez pour eux. Hein? Le Père, c'est comme ça, nous comprenons, c'est comme ça, nous comprenons tout. Le Père dans le ciel, mais comment le Père a dit là, le percé? Il y a tout le regard vers lui parce que c'est lui qui a percé. Hein? Expliquez. Jésus-Christ n'est pas le Père, alors comment le Père est-il percé ici là? Quand a-t-il été percé? Et qui l'a été percé? Puisque vous savez que le Père est dans le ciel. Il y a deux trônes. Et Jésus qui comme un petit monde, comme un papa. Pendant ce temps, il se voit dans Jean 18, 36. Alors là, texte à clé. Ils tourneront leur regard vers moi, l'Éternel. Hein, qui? Celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Vous comprenez pourquoi il pleure sur lui tant qu'un premier-né, tant qu'un fils unique? C'est parce que tout le monde est sacrificateur, il joue et Jésus qui bat, il dit le démon. Chaque qui rentre dans le sanctuaire, il fait offrande. Bah, qui est-ce qu'on a fait offrande? Bah, Jésus encore, oui. Quand il allait au palais, pour le monde, ça a été écrasé au clou, c'est l'Éternel des armées. C'est ça qu'on fait au Renambri, oui, frère, c'est mieux. C'est ça on parle de reconnaître là. Ou qui est-ce qu'on a fait gare, ou qui a plusieurs dieux, il a fait adorer un faux Dieu. Qui pas créé ciel la terre, ou bien faux Dieu politique, ou bien plusieurs dieux devant, ou bien notre congrégation, l'église traditionnelle, qui a pas adoré trois dieux, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ou un seul Dieu pour adorer, c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui mourit, c'est lui qui a posé là, c'est lui qui a posé pied sur le mont des Oliviers, hein? Et puis quand il y a là, moi, il y a un débat, il y a un monde, mais comment mais on y a fait percer comme ça? La préponde l'a dit, c'est moun qui te rend même, oui. C'est dans la maison côté te rend même, non, il a fait ça. Il a percé. Hein? Texte la clé, la Bible clé, c'est lui qui a venu, ou mettre voler, pomper. Ou après Jésus qui peut être sur vous, à même habillé, avec mes percés, pour capable reconnaître celui qui est venu, c'est lui Dieu Tout-Puissant. Mais l'évangile,
Mais ça que la vie éternelle là. La vie éternelle, c'est que vous connaissez Jésus-Christ en tant que le seul vrai Dieu. Celui qui a créé le ciel et la terre, comme pour vous, c'est le créateur là. Alors c'est ça. Nous faisons place à vous maintenant pour capable de nous continuer dimanche prochain, si Dieu veut, pour nous capables aider à comprendre plus toujours. Qu'embe Zacharie 12, le verset 9-10. Et puis pour capable, si vous n'avez pas grand chose à expliquer, si vous n'avez pas qu'à expliquer tout, mais seulement texte ça capable de. Alors nous faisons place à vous, si vous avez besoin de relayer. Nous avons 10 minutes, 10 à 12 minutes pour capable relayer. Et puis pour nous capable tendre questions. Et puis nous noter pour nous capable répondre dimanche si Dieu veut. Si Dieu veut. Que bon Dieu bénisse. Et puis nous attendons pour appeler nous. Et c'est numéro de téléphone, non? C'est 0590 et 29 77 05, je crois, c'est ça. 29 77 05. 0590 29 77 05, c'est le numéro de téléphone, non? On peut pas briller. Si vous avez un compte, pas de problème. On peut briller, téléphone est libre. Ou carrément poser question, si vous ne pas comprendre ou pas fin comprendre bien, relayer, poser question, pas de problème. N'attendons. Peu importe son critique ou pas, je peux. On met bonne critique, c'est la peine de me corriger tout, si vous avez faute dans moi. Alors, c'est ça que fait, ou besoin vraiment examiner la parole, chita pour comprendre le nom du Père, leur dire au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Parle sous Matthieu 28, 19, sans parler, chercher contre qui est-ce qui papa, qui est-ce qui pita, qui est-ce qui Saint-Esprit a. Et leur fin connaît beaucoup comment ils ont élé, non propre là. Faut qu'on non propre mon nom. Ou baptiser au nom du Père, ou pas baptiser du tout, parce que qui non papa, ou pas qu'on elle. Ou pas même qu'on elle. Au nom du Saint-Esprit, bon quand même chercher le nom Saint-Esprit avec. Dimanche prochain, c'est ça nous pas chercher, le nom du Saint-Esprit. Hein? Qu'on a le pas découvrir pour ouais c'est là on pas le voir complètement à côté de la plaque ou même qui bâtit au nom du Père du Fils Saint-Esprit dans l'église traditionnelle ça qui pas demeurer dans la parole qui pas fait ça la parole demandée mais qui fait pas yo on sait moun k'ap dit ouais bien fait ouais pendant ce temps c'est moun k'ap blasphémer que yo parce que ouais moun qui dit bien fait ouais là il tellement blasphémer il tellement pas comprendre la Bible lui même osel dit que bien fait ouais parce que c'est pas Pierre dit que fait erreur c'est Saint-Esprit il dit que fait erreur. Pour cet temps-là, Abdouli, quoi, et cet esprit, que cet esprit, mon Dieu, là, c'est là pour l'aider nous. Mais, l'idée, il fait, ouais. Alors, si vous dites cet esprit fait, ouais, comment on peut sauver? Ou pas qu'à sauver, péri pour péri. Autant que vous pas accepter Jésus qui pour le bon cet esprit, ça, qui c'est lui-même pour l'entrer dans le roi, pour comprendre la parole, comment on peut sauver? Ou pas qu'à sauver? Un d'abord, frère, dans la radio, Maranatha, il dit, oui, oh, c'est Pierre qui fait, ouais, mais nous-mêmes, nous pas fait, ouais. Ou pas fait, ouais? Ça, qu'il faut pas faire, ouais. Hmm? Parce que ou c'est moun qui plus rempli du Saint-Esprit dans cette pervertie ça moi là hein avec femme qui a dirigé femme qui a prêché avec pantalon faux cheveux permanent maquillage faux ongles bijoux hein avec ça ou pi clair que Pierre avec ça ou gain Saint-Esprit plus que Pierre hein avec présentation au top hein baptisé mon nom du Père du Fils du Saint-Esprit habillé en drap blanc c'est ça maintenant frère ou à côté de la plaque hein. Avec mesdames, tête, yo pas même voilé, yo faisons qui texte à osaison comme monde dans le monde. C'est avec ça que cet esprit a. Hein? Non, frère. Avec 10 mois, la 10 mois, pire monde tout jour et toute nuit, c'est ça qu'il faut que cet esprit puisque tout le monde, non? Non, pas du tout. Pas du tout. À part mon téléphone a sonné, 100% évangélique, bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Bon. Moi, là, on clignote rouge, même par contre, si c'est un monde qui relè, mon arrêt c'est relè encore. Hein? Ou pas kage la vie, système n'est pas bon du tout. Non, système où il y a, il pas bon du tout. Ça pour ça évangélique, mon Dieu béni. Wow. Téléphone a clignoté, même pas tant de son du tout. Par contre, qui s'est passé? Par contre, qui s'est passé? Ok, voilà. Mon a essayé encore. Il a passé là maintenant. Il a passé. Mon a mettre ici, il est encore. Parce que nous allons partir tout de suite. Ça pour ça évangélique, bon Dieu béni. Oui, bon Dieu béni, nous faisons partir comme moi. Nous pas plus mal. Téléphone n'a pas sonné, sinon juste l'imier à moi qui fait répondre. Parce que m'a sonné là depuis l'on ouvre pour yore, il y a m'a sonné, mais il va jamais passer. Moi, son n'a pas monté, il n'a pas sonné. Excusez, même moi l'imier à me répondre quand même. Au niveau de volume, n'a peut-être quelque part. Exact, frère. Comme n'a pas parti, n'a pas tant de frère. Merci pour bon test, bon travail qu'on fait pour la communauté. Hein? Et nous disons bon Dieu merci pour le continuer bien au plus pour le programme ça, qui va ouvrir les yeux et va faire
fait la Bible parler. Amen, amen. Il y a plein de monde qui ne comprend pas ça, il fait la Bible parler, ou plutôt qu'il y a un jour, ou bien faire des bas qui fausses. Mais ce qui est important, c'est qu'on montre des versets et avec la Bible en main. Amen, amen. Je me souhaite que tout le monde t'a essayé de comprendre ce qu'on fait. Ce n'est pas deux ou même ni fait, c'est Saint-Esprit qui voyait. Amen, amen. C'était un prophète ou bien un évêque qui était sorti, qui était soi-disant pour un nom qui n'est pas même pour eux, qui était sorti de l'autre côté. Et puis tu as étudié pour porter nom en tout en plus. Et puis pour porter nom. Ils ont tellement levé lundi ce matin, ils ont même accrapé devant porte Castivia. Même Jacques Shalom pour faire film d'entrée. Film d'entrée. Amen. Mais puisque vous êtes un petit prophète qui est bon Dieu vous. C'est petit Patrick. Et après nous, petit Patrick, le plus souvent, dans la pile, on a dit petit Patrick, petit Patrick. Moi-même, pas un moment, dis-moi. Je n'ai pas de problème à ça. Vite, le petit Patrick, c'est mieux. Devant l'éternel, pas un petit. Exact. Devant l'éternel, tout le monde qui a un seul nom, tout le monde compte, tout le monde qui sauve, qui a un seul nom, compte devant bon Dieu. Ça qui est important, pas écouter le monde, pas écouter ça y a dit, pour pas continuer à faire travail, bon Dieu, vous faire, parce que ce n'est pas au qui faire, c'est bon Dieu, vous voyez. Amen, frère. Et vous connaissez le bon Dieu, vous voyez, vous travail, ou pas qu'à décourager, parce que Saint-Esprit est toujours là pour encourager. Amen, amen. Avec des paroles qui a sorti bon côté. Mais moi, qu'est-ce que dans Jésus. Merci, frère. Que bon Dieu bénisse. Aidez-nous dans la prière, surtout. Salut, famille. Là, on a prié pour vous, et puis bon Dieu, capable d'ouvrir les yeux. Amen. Les paroles ou potes. Ok, bon Dieu bénisse. Nous servions vitamine pour tout le monde. Papa, la longue, nous quittons reste pour l'autre monde. Ok, oui, parce que nous n'avons pas grand-pile temps. On a passé pour quelqu'un qui appelle pour nous aller. Allez, ok, bye bye. Bon Dieu bénisse. Il y a un autre appel, nous pourrons aller. Oui, comme nous dit où dans le système non, comme frère Jean qu'on dit et me dit tout, sous besoin qu'on a est-ce qu'au bon côté il y a gardé pour est-ce qu'il y a dîme, est-ce qu'il y a payé dîme, est-ce que femme a dirigé prêcher, est-ce que tête mesdames y voit aller, est-ce qu'il y a présenté timon au temple, est-ce qu'il chante entièrement, on met juste gardé bah debout ça, debout y a une ladeau mettez tir quoi, hein, debout y a dîme. Pantalon, faux cheveux, maquillage, faux ongles, chant enterrement, fille a dirigé, prêché, présentation au temple, retire corps, fête Noël même ça, bon, c'est d'honnête, retire corps, de bon, ou quand on a des classes Samuel, Deborah, Esther, retire corps ou pas bon, ou pas qu'à sauver là. Et sous ta dire, juge, ma justice, m'a prouvé, m'a fait, m'a fait, est-ce que écrit. Si pas qu'à prouver côté classe mais le gaz de bois a existé ou mettre qu'on en péril parce que pour gagner la vie faut venir sur le fondement des apôtres et faut attendre et faire ça la Bible mande pas ça yon l'homme dit on pas suivre l'homme on suivre Jésus-Christ la parole la Bible et c'est ça au besoin et en dehors de ça pas gagner la vie frère parce que il y a des monde qui pense au bien côté ya ou pas bien côté ya si vous pensez au bien côté ya ou chiré et des bois ça ouais système ça ouais c'est comme ça lié. On ben connaît que c'est temps où a perdu ou pas qu'à sauver dans le système non parce qu'il pas bon dans l'église traditionnelle ou pas sur le fondement des apôtres qui c'est Jésus-Christ de Nazareth ou pas directement là. Alors avec ça, on oblige gain du mal pour capable sauver et ça que nous conseiller au frère garder examiner. On connaît des bagages qui kembo ou elle pas comme des frères qui dit ah frère Patrick n'a prêché nous oui n'a prêché nous ah frère Patrick n'a bien prêché même vérité parce que c'est vérité. Mais non frère. Si le père Jean 6:44 si papa a parlé pour faire travail ça, ou pas qu'à faire. Parce que déjà, si y'a payé Kaila pour, ou y'a du mal pour retirer le corps, pour dire non, ça c'est mensonge, je ne veux pas le sauver. Y'a payé Kaila. Hein? Ou bien soit, je ne sais pas, c'est le guise en amont. Hein? Ou bien y'a bonjour Wall, ou c'est Jack, ou c'est apôtre, ou c'est bishop, y'a nommé. Pour quitter titre ça, qu'on a là pour partir. Hein? Pour aller suivre l'autre évangile côté, ou pas porter titre, qui y'a gardé autant coup pauvre. Humilié, petit troupeau, ou pas qu'à venir. Mais sous besoin Christ, ou j'étais tout petit, j'étais bisoué, tout aigle, te bon, j'étais, et puis qu'on a pour venir rejoindre Christ dans la parole de la vérité pour marcher, pour sauver, parce que c'est là qu'on doit sauver, c'est là qu'on a la vie. On prend un dernier appel ça pour nous aller vite fait. Nous prenons un dernier appel ça. Bon Dieu, ben nous, 100% évangélique. Oui, allô, c'est Patrick. Bon Dieu, ben nous, sur moi. Oui, content. Ça va à faire, hein? Parce qu'on fait un bon travail, on met tout le monde sur le chemin, des gens qui comprennent. Mais ça va faire assez bon. Eh bien, que mon Dieu bénisse nos soeurs. Oui, que d'accord. Que mon Dieu garde pour ça. D'accord, merci. Bye bye, passe une bonne semaine. Bon, chers téléspectateurs, nous souhaitons que mon Dieu, dans tout pouvoir, dans toute harmonie, la bénisse. Et nous souhaitons que vous réviser le texte
et puis préparer parce que dimanche prochain, on va venir chercher le nom du Saint-Esprit. Je dis, c'était le nom du Père, dimanche prochain, c'est le nom du Saint-Esprit. Et puis nous, capables d'aller sans problème avec Jésus-Christ pour nous capables d'avancer. Oh là là, mon dernier petit appel, 100% évangélique. Bon, voilà, c'est bon. Alors, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde nous. À dimanche prochain, si Dieu voulait, pour le nom du Saint-Esprit. Bye bye et bon courage. Bye bye.